capitán del equipo nacional. Lo que les hago, queridos, antes de la declaración, si tú vas en contra de la selección nacional, el dernier, la toute dernière ce soir, qui s'est soldé par un match nul entre l'équipe nationale et l'équipe de Saint-Kitts, mais qui a vu très certainement la qualification de l'équipe nationale, qui a terminé en première position. Et capitaine, des impressions pour ce tournoi. Bon, ça a été un tournoi, c'était pas un tournoi très facile, parce qu'il y a eu des bonnes équipes. Le premier match, nous avons présenté contre la Guyane, ça nous a un peu perturbé à la suite. Après le deuxième match, nous avons bien fini, nous avons battu 4-2 les Barbades. Et le troisième match, c'était contre Saint-Kitts. Pour moi, la meilleure équipe entre Guyane et Barbades. Ils ont de très bons joueurs, mais bon, dommage pour eux, ils sont éliminés. Mais nous avons fait le boulot, l'important c'était de terminer premier, et nous allons jouer Maïk tranquille, d'esprit tranquille. Ok, sur quel point penses-tu qu'on doit travailler au niveau de la sélection, au niveau de l'équipe elle-même? En fait, nous n'avons pas beaucoup de temps pour travailler ensemble. Vous voyez, nous avons fait 10 jours à Miami avant le match de Chili. Donc, nous n'avons pas un bon match contre Chili. Mais là, nous sommes arrivés 2 jours avant. Certains sont arrivés lundi, mardi et mercredi, nous avons joué le premier match. C'est très compliqué, il nous manque du temps. Ouais. En fait, c'est la cohésion de l'équipe. Et en plus, il a manqué 3-4 joueurs importants qui n'étaient pas là. Donc, c'est tout ça qui a fait que nous n'avons pas été à l'aise dans le tournoi. Mais nous, on a terminé premier, c'était le boulot à faire. Oui, c'était le boulot et félicitations. Donc, toute l'équipe, vous allez travailler ensemble, c'est sûr. Avant Jamaïque, on va avoir très certainement un bon petit temps avec le sélectionneur pour essayer de coordonner. Et vraiment, au niveau de la défense, ça a été super. Mais maintenant, il faudrait que l'équipe elle-même ait beaucoup plus de temps de préparation. Et toi aussi, tu vas retourner jouer à ton équipe. Certainement, tu auras un meilleur niveau et l'équipe en général aura un meilleur niveau. Voilà. Mais maintenant, le dernier mot pour le public qui nous écoute là maintenant. Ok, un dernier mot. Bon, merci à tous les supporters. Franchement, ça a été très chaleureux l'accueil. J'aime mon pays, je vous adore. J'espère que dans un moment vous serez là pour regarder devant le canal de TV Haïti. Vous allez regarder ça, le tournoi, il va être très important. Il y aura de très bonnes équipes et nous allons donner le maximum pour aller en finale et gagner la Digital Cup. D'accord. Merci à tous. Merci, bonne chance. Merci à vous aussi. D'accord. Merci. Merci.